Salut et bienvenue dans la suite des aventures d'Oswald. Donc on est mort, hein, pas de doute. Ah, qu'est-ce que tu vends? Du moisi. Des œufs, du lait. Ah, je vais te prendre du lait. Prendre un œuf. Et du moisi, non. Parce que oui, je peux faire des recettes avec, mais bof. Allez, donne-moi ça. Il y en a pour 55 balles quand même. Ça me permet de faire plein de recettes et je vais en profiter pour stocker. Voilà, et on a du pain, l'air de rien. Allez. C'est par là. La carte du monde, bah ouais. À mon avis, hein. Voilà, les enfers. Pas comme si j'avais le choix. T'es là, toi ? Mais c'est vrai qu'on est venu le sauver. いくにもの人間を勇気に変えたわれらが憂き目を見るのは仕方がない。だがお前はかわいそうに哀れみの目を向けるな。今更哀れんだところで何になるというんだ。すでにこの手は血まみれだ。俺自身ですらこの身を哀れむ気にはなりやしないのに。 Oswald.震えが止まらない。死が怖いんじゃない。俺は愛する者も愛してくれる者もいない。生まれた意味などなかったように、この胸を何も満たさず終わるんだ。それがたまらなく怖い。メルビン。 お前の本心など知らなければ死に場所を得て満足のうちに命を終えることもできたのに。お前のためにだが、もう何もない。不思議だ、こんなところに鳥が。なぜだろう、あの鳥。 Chercher des enfers, lui. C'est mignon. Franchement, moi je suis en train de crever. Je vois un oiseau. Je me dis pas, je vais le suivre. Peut-être qu'il va me donner l'envie de vivre. Je me dis, je vais crever. Mais c'est, donc c'est bien, belle détermination. Trouver l'oiseau illusoire. Illusoire en plus, tu vois. On dit bien, ouais, c'est une illusion, quoi. Ça n'existe pas. Mais tout va bien. Oh, qu'ils sont rapides. Oh, qu'ils sont rapides. Oh, ça tombe bien, moi aussi. Une fois que je les touche, je gagne en vitesse. C'est bon. Suivant. Viens là, viens là. Ils ont cette sale attaque. Allez. Cool. Bon, on se fait pas mal de graines. Alors, on dirait... Ah, c'est chiant. Alors, on dirait qu'on peut pas descendre. Ah, si, on peut, mais pas... Cool. De la bouffe moisie. On va aller vers le haut. 16. Ah putain, génial. Il faut rester à côté de copains. Sinon, intouchable.
Et j'ai pas de potion soleil. J'avais pas compris qu'une tentacule, ça faisait partie d'un monstre. Enfin, ça, c'était un monstre à part entière. Pour moi, c'est juste une invocation, quoi. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais je sais faire. Déjà niveau 17. Ok. Ok, on l'avait pas vu celui-là. Gros monstre. Ah, mais il y a une zone de repos. Alors, on va d'abord faire ça. Si on peut XP un petit peu. C'est là. Une carotte. Allez hop. Oui, je vais XP. Mince. Alors, j'ai acheté au marchand cette clé de lune. Qui va ici. Et qui m'ouvre une porte. Maintenant, ma foi, vers un coffre. Donc ça m'a quand même coûté 100 balles. Une ceinture de vitesse, des trucs à péter, les os. Ouais, bon, on a fait le tour. Ok, je regrette un petit peu. 100 balles pour un truc de vitesse. On va voir combien je peux vendre ça. Alors, j'ai plein de merde à vendre là-dedans. J'ai pas envie d'en faire des potions, j'ai trop la flemme. Et vitesse et dext. Ouais, mais je m'en tape. Ah ouais, 17 de protection quand même. J'ai que des vieux trucs, moi, tout pété là. Ouais, tant pis. Vendu, ok, 34. Bon, ça m'a fait un investissement de 70. C'est pas ouf. Alors, avant de continuer, on va revenir en arrière. Pour aller taper, enfin récupérer la compétence là-bas. Je me suis amélioré du mieux que j'ai pu. Ça s'annonce être un combat compliqué. Mais ça tombe bien, j'aime ça. Ah, mais c'est même pas un boss. Oh, mais alors attendez, les gars. Oh, mais non. On va passer un petit bout de temps ensemble. Allez, ils sont où les autres, là? Bougez-vous le cul. Non, non. Elle est où, cette connasse? Hey. C'est bon? Ça a l'air. Et donc, on gagne ça. Et ça, c'est quoi? Ce serait bien une passive, un peu, là, parce que j'en ai trop... Exil. Qu'est-ce que ça dit, ou qu'est-ce que ceci? Oui, c'est passif. Aimer une lueur en passe... En passant en mode berserk pour infliger des dégâts aux ennemis. Ouais, ok. Émet une lueur. En passant en mode berserk. Oh, vas-y. Et je l'améliore. Je trouve un fou. Et puisque j'ai des compétences à améliorer, on va s'en occuper tout de suite. Non. Récupère de la puissance après avoir tué un ennemi. C'est ça qu'il me fallait. Super. Allez, donc on ramasse ce qu'il y a à ramasser, il y a un coffre, cool du lait, voilà, on revient. Alors ouais, là, gros ennemi, gros adversaire pour un fruit. Alors, là, c'est un cul-de-sac. Super. C'est sympatoche. Merci, du yaourt. Allez, on retourne. Et donc, on continue sur notre droite. Donc, on va avoir... C'est le boss, là? Ok. Un combat. Oui, on se connaît bien, nous.
mec, je vais pas te laisser. Juste. Voilà, attends. Parce que tu m'as gonflé. Ouais. Ok, j'ai compris. Il faut que je l'amène du bon côté, putain, de la brûlure. Il m'a jeté dessus. Voilà. Bon, on va faire un petit tour. T'es où? J'ai pas ramassé, mais j'ai cyclone. Ça me plaît bien. Allez! Il est là-bas, putain. Pas le toucher comme ça. Putain, on passe en berserk. Boum! Ça demande grosse puissance quand même, hein, d'utiliser cette technique. Allez! J'aurais pu économiser un peu. Tiens, je t'en remets un coup. Super. Ah non! Je vais devoir balancer une petite fiole pour aller plus vite. Ouais. Ah, je me suis trompé. J'ai confondu iceberg avec autre chose, mais c'est pas grave. Allez. Voilà. Merci gros. Super, 5 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ce petit bracelet? Bracelet de Vénus. Dégâts infligés reçus plus 13. Dégâts augmentés plus 10 quand les PV diminuent. 10 de défense. Ah, j'ai que des vieux trucs. Donc là, c'est fermé. Il faut une clé. C'est con parce que je l'avais acheté. Elle est pas bien. Ah non, mais c'est en forme de soleil, ils ont dit. Ah putain. Mais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à casser? Oui, là-bas. Super, on ramasse. Juste, oui, il faut aller au fond. Ah putain. Ok, c'est juste un combat, alors ça marche. On va quand même se démerder pour que ça se termine vite. Pas que ça à foutre, moi. Allez. Quelle vitesse! Ah, c'est fou, ça demande une précision des fois. Des fois j'ai de la chance. Hein. Quand je touche. Bah, je t'ai mis une esquive! Mais on n'est pas sorti du sable du coup. Allez, casse-toi. Oh putain, c'est pas fini. Il reste 20 secondes. Je me fais latter. Mais! Allez, mais, non, mais, ok, super, on s'en sort bien, on a notre clé, la
clé lune, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne, hein. Il y a écrit en forme de soleil. Parce que là, il y a encore une clé lune, il y a une grosse sacoche. Mais là, il n'y a pas l'air d'avoir de... Là, il y a une porte blindée, il y a une porte fermée, et là aussi. Ouais, bon, on va pas ouvrir ça tout de suite. Et après, en bas, on est cool. Et il y a la porte pour le boss, il y a la porte pour le fruit, et il y a la porte pour le... Ok, j'ai compris. Donc, on continue. Alors, on va juste prendre le téléporteur. Quoi qu'on peut ouvrir. Même en fait, pas trop s'embêter. Voilà. Et on ouvre. Défaisons ! Venez là, venez là. Ok. Allez. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, une recette de poulet. Galantine de poulet. Ok, il faut du lait et du poulet. Le problème, c'est que là, je n'ai aucune viande, donc rien du tout. Donc, bon, on a fait un peu ça pour la gloire. Donc, on revient par là et on continue. Et je vais pas ouvrir ça. On s'en occupera à la fin, juste avant de taper le boss, quand on sera bien en place. Donc là, on peut descendre. De toute façon, on n'a pas le choix. Allez, un petit combat. Alors, c'est con parce que tu me fais un gros dash, t'arrives derrière, et puis tu mets du temps à lever ta main, quoi. Bas. Ok. Ouais, il va falloir que je commence à XP sérieusement parce que je commence à être plein. Allez, c'est parti. Ok, alors je suis allé sur la droite ici et j'ai récupéré en fait la clé de lune. Enfin, de soleil, donc celle qui va me permettre d'avancer là pour le boss. Mais on va continuer, nous, de s'infiltrer un petit peu plus en bas. Ah, génial, tout est... Voilà, là, en plus là, tout est empoisonné. Je ne veux pas toucher le sol, je ne veux pas toucher le sol. J'ai pas créé assez de poison, en plus. Putain. Voilà, il m'a stun, et heureusement, pas stun dans le poison. Je me fais la thé. Non, mais d'où tu sors, toi? Bon, allez, vous m'avez saoulé. Mais... Nique ta mère! Arrête. Empoisonné niveau 1. Je me fais défoncer, magnifique. Oh bah oui, mais Molkov là-dedans, hein. Chut. Ok, superbe. Oui, on continue. Niveau 20, pour une grosse sacoche. C'est toi tout seul? Bon, avec un terrain chien. Non, mais c'est bon, casse-toi de là. Chut. J'aurais dû... Je vais aller me faire un antidote, parce que là, j'ai chié dans la colle. Il faut que je m'en serve. Mais pas tout de suite. C'est quoi qui killer? Ouais, mais... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un soleil et une toxine, ok. Ah!
Je suis en train de le taper. Alors, il est où, Gradu? Il est là. Il a toujours perdu de vie, j'allais dire. Alors. Tiens, c'est cadeau. Ok. Eh bien, pop. Putain, je suis en train de me faire latter. Faut que j'arrête, arrête, voilà. Alors, on va utiliser l'antidote pour se protéger un peu, mais on va devoir se soigner aussi. Putain, je joue tellement mal. Allez, maintenant qu'il y a l'antidote, je crains des gains. T'es où? Ah, je passe au travers et tout, c'est pas cool ça. Ouais, j'ai pas beaucoup de vie, mais ça devrait suffire. J'ai toujours mon antidote qui fonctionne bien. Allez, crève. Crève, putain! Voilà. Super. Un petit sac. Une petite graine. On y retourne. Du coup, c'est un cul-de-sac. On se casse. Putain, quelle précision de merde. Allez. Donc on retourne hein, se soigner, oui, voilà. Oui, mais se soigner avec quoi? Parce que j'ai plus rien. Je peux bouffer du raisin. Et moult activités champêtres. Oh, on va poser un raisin, et ça c'est quoi? De la rose mille, non. Ah mais oui, plante. Bon, c'est pas glorieux. Hein. Encore ou c'est bon? Encore. Non, on est bon. Allez, pop-moi un raisin. Super. Ok, bon, on mange ça. Ça, il a un petit peu. Bon, ben voilà, téléportation, tout ça, tout ça. Allez, on va ouvrir la porte. C'est pas par là. Oh, mais il y en a un petit. Écoute-toi. Ouais. Super, merci. Ouais, bah ok. C'est juste que je suis pas le plus en forme là pour aller taper du boss, mais. Bah, j'ai rien, hein. je peux prendre une potion. Ouais. Mais c'est pas Funky Town. Ouais, c'est pas grave. On va taper du boss, mais bien sûr que je vais le défier. Odette! Évidemment! Ah. On peut pas la tuer avec sa propre arme. Ah, c'est un nerveux, hein. Comparé à tous mes autres persos qui parlaient avant, lui, direct, il tape, quoi. Ikunin mo sono maken no tameni watashi no mono to natta.
Oui, mais moi je t'ai rien demandé en fait. C'est la différence. Putain, ça commence mal. Je vais devoir te recadrer. Ben moi, je vais te visser cette lame tellement profondément dans... Je vais pas finir cette phrase.間もなくやってくる男を手で退けてちょうだい。そうすれば、お前をいじめたりはしないわ。腹を裂くならするがいい。私もオズワルド、気に触ったのなら謝る。お願いよ。お前の身を蝕む風も外す。何も変わりはしない。支配する者が変わっただけだ。 OK. D'accord. Comment ça il m'a stun. Alors attends mon petit Odin. Qu'est-ce qui t'arrive? Ok. Tout est allé si vite entre nous. Tout a tellement mal commencé. Je me permets de mieux te latter les couilles. Voilà. Et où tu vas? Où tu vas? Il rebondit. Je veux pas que tu rebondisses. Allez. Vite. Voilà, c'est épuisé. On prend de l'huile. On va lui balancer un petit cyclone. Ok, j'ai pas su me protéger. Mais putain. Oh, t'es en train de me gonfler. Qu'est-ce que... Où tu vas? T'arrêtes de fuir un peu. Ok, il est toujours empoisonné, ça fait plaisir. Il veut prendre un petit antidote. Non, mais il a pris du soin aussi, mais c'est pas possible. Où esquive? Non mais faut qu'on m'explique comment il esquive tout ça là. Je suis là. Ils sont pas censés m'aider là, les bêtes des ténèbres là qui m'attaquent à moi. Putain, mais il fait que fuir. T'arrêtes un peu. Cul, queue de poisson. Oui. C'est tout ce que j'ai. Attends, je vais le jeter. Tiens. Il m'a esquivé. Ah putain, j'ai pas assez de force pour esquiver le dernier. Oh putain. Il est quand même beaucoup plus costaud que... que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Oh, putain. Ah, il m'a laté. Mais je rêve. Mais je me suis fait laté. Laser maintenant. Alors juste, je vais t'envoyer un petit killer pendant que je te latte.
Non, 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 où tu vas? Une petite brûlure. Ah, il a poison brûlure. Il cumule. Putain, il est sacrément costaud quand même. Okay. Non, non, mais arrête de faire... Oh, c'est à mon tour, là. Faut que j'aille derrière, faut que j'aille derrière. C'est bon. Là, il fait que bouger. Tiens, ouais, ça te fera du bien. Vite, on ramasse un petit volcan. Allez, si j'ai une mode berserk, c'est parti. On va pas le laisser respirer. On est bien niveau vie. T'arrêtes de haut, de rien du tout. L'attaque qui joue sur la puissance. J'ai plus trop de PV. Ah, je peux pas. Je peux rien lancer. Arf. Qu'est-ce que j'ai, tiens, pour te calmer. J'ai voulu faire ça. Ouah. Elle va revenir. Descends. Oups. Allez, 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 c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Putain. Il m'a stun. Il m'a stun. Il m'a défoncé. Non, 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 non. Allez, là, il reste 500 points de vie, mais lui, il en reste encore moins. Allez, ciao. Allez, c'est bon. Eh ben, ne jamais vendre la peau d'Odin avant de l'avoir tué. Y'a rien à ramasser. Eh ben alors. Mais alors mon petit Odin, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai... T'as connu des jours meilleurs, non? Tu t'es fait branler par tout le monde, toi.俺はもうあの国とは関係はない。見れば死者の国にあって、お前の命は失われてないではないか。なぜこの死の淵に落とされた側尋ねまい。黒い剣士よ。剣を引くならば、お前も冥界の外へ連れ出してやろう。この？わしは死の女王の許しなく、ここへ出入りする道を知る者。それともお前は、 死の女王の下僕となり、ここで朽ちるのが望みか。俺には使える主人などいない。その条件、飲もう。Bien. C'est bien. Je suis d'accord avec le principe. Piqué. Mais piqué quoi? Un plongeon diagonal. Il aime bien les piquets diagonales. Ouais, on sauvegarde. Allez, voilà, c'est la fin de ce chapitre. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le chapitre 5. Ciao.